consacré à la boucherie d'aujourd'hui est bien sûr dans la continuité chronologique et thématique de ce que vous avez entendu juste avant. Avec un petit changement, ici il s'agit de la représentation et des représentations des savoir-faire, ça veut dire des critères qui permettent d'établir des classifications, on a presque dire qui permettent de faire la découpe de la réalité pour l'organiser, y imposer un ordre et y trouver un sens. Voilà, pour ce faire, on a l'aide, le concours de disciplines sœurs, l'économie d'un côté avec Pierre Saunier et l'ethnographie avec Anne-Hélène Delavigne et Anne-Marie Martin. Alors Pierre Saunier, qui va faire la première intervention, s'est surtout distingué par ses travaux sur l'industrie agroalimentaire. Je suis très content de pouvoir présider parce que c'est un collègue à moi qui est aussi un ami presque paternel. Après, il y a Anne-Hélène Delavigne. Alors, avec elle, les rapports sont cordiaux aussi. On se souvient surtout de son travail sur le Danemark et le rapport des Danois aux cochons, le totem de leur culture alimentaire. Et finalement, on a Anne-Marie Martin qui a la distinction d'utiliser la vidéo pour faire de l'ethnographie. Donc, elle s'est appropriée des techniques qu'on n'avait pas utilisées encore il y a quelques années. Voilà. Donc, Pierre Saunier va commencer à parler. Alors, l'horaire est très strict. On finira à 6 heures. Donc, chaque intervenant aura 20 minutes, 22 au maximum, pour qu'on puisse avoir une petite discussion à la fin. D'accord, merci. J'ai fait distribuer des extraits de textes pour gagner du temps. Parce que je me suis aperçu qu'en les lisant et les commentant, ça mangeait au moins 5 ou 10 minutes. Donc c'est surtout avec les horaires draconiens que nous fixe Martin, c'est beaucoup mieux. Alors l'exposé que je vais faire comporte 3 points. 1. Ce que sont les nomenclatures d'activité économique. 2. Les raisons qu'elles donnent, ces nomenclatures, ou plutôt d'ailleurs, vous le verrez, qu'elles ne donnent pas.